Les survivants sont à deux doigts d'atteindre l'abri indiqué par McGregor, mais c'était sans compter sur l'invasion, l'infestation des zombies qui sont à leur trousse. Ils referment à peine les portes alors que ces créatures vont se fracasser contre les vitres. Messieurs, vous avez investi le bâtiment, les zombies sont à votre trousse et il va falloir gérer la fermeture. Vous avez à peine bloqué les portes, mais ça ne va pas être suffisant. Il va falloir apporter un obstacle supplémentaire car les morts-vivants sont en train de fondre vers le bâtiment. Est-ce qu'il y a un petit panneau fermé? Il y a une vitre peut-être qu'on peut mettre fermée? Non, il y a un détecteur de présence. La petite pancarte que tu retournes comme ça. Sorry, we're closed. Revenez plus tard. Très bien. Alors, un pseudo, hein, non, porte, tu, je vous tu laisse, juste un coup, messieurs, 30 secondes pour décider en mode point strat ce que vous allez faire. Les 30 secondes, je vais sous les yeux. Est-ce qu'on se met tous les mains sur les épaules avec le chien aussi? J'utilise la femme enceinte comme barricade. Il vous reste 25 secondes. On appuie sur son ventre, on propulse le fœtus. Je vais aller chercher une autre issue. D'accord. Non, moi j'allais le faire en premier, je suis un chien, j'ai une super truffe. Il reste pas je l'accompagne. 10 secondes. Avec Igor, allez. Je vais prendre cette table et la barricader contre la porte et utiliser la force de John Cena avec l'espoir que ça passe ou mourir dans la gloire. Je vais aider aussi à essayer de barricader. Tous les deux, faites-moi un test de force, c'est à la fin du point strat. Non. 10 de force. Bon, en tout cas, ça passe. À moins que tu mettes 50 de malus, ça devrait passer. Justement, avec plaisir, tous les gars. Très bien, vous réussissez, mais vous ne faites pas de succès phénoménal. Vous faites vraiment le taf minimum, suffisamment pour les empêcher de traverser la vitre en déplaçant la table et vous partez vers les escaliers qui est l'issue, qui est entamée par Canigou. Ah, GG Canigou, t'as trouvé les escaliers. Igor, Canigou, vous arrivez vers l'ouverture qui donne accès au sous-sol. McGregor, lui, il semble assez embêté. Il voit la chose suivante. Il voit qu'il y a une partie légèrement éventrée à la porte parce que c'est une porte qui est doublée de grillage. Vous voyez qu'il y a des travaux qui ont été faits a posteriori, après l'apocalypse, hein, pour essayer de renforcer cet endroit. Et il y a un tout petit passage trop étroit pour qu'un être humain passe, à moins qu'il force et qu'il prenne du temps pour passer. Et vous allez devoir soit forcer le passage, soit trouver un moyen pour ouvrir d'une manière ou d'une autre pour avoir accès. Il faut forcer, on a deux montagnes de muscles dans l'équipe, ça va aller. Il n'y a pas un petit passage en train de, ils sont en train de bloquer l'arrière, c'est que vous, tu as emboîté le pas. Les montagnes de muscles sont en train de bosser, ouais, donc exactement. Faut peut-être que Igor, tu t'y mettes aussi. Toi, tu as dit clairement que tu emboîtais le pas avec McGregor et avec Canigou, et les autres sont en train de bloquer l'accès, donc ils ne sont pas encore là. Vous êtes ici devant. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît, Igor. Il y a Canigou qui est à côté qui n'a pas besoin d'en faire, donc s'il y a un danger, lui, il le repérera. Non, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Sinon, je te fais mal. Il y a un passage pour un chien. Le truc est un peu abîmé apparemment. Absolument. Là, justement... 95. C'est un échec critique, mon cher, avec l'état morbide. Ouais, t'es dans l'état morbide. On est bien. Bon début. Alors, on est bien, on est bien. Les autres, s'il vous plaît, retirez vos casques. Très cher Igor, tu es un survivant, tu as guéri, tu es entraîné, tu es un solitaire, tu comptes très peu sur les autres. Et là, tu sais que d'après ton intuition parfaitement parfaite, eh bien, les portes vont céder pendant que vous êtes là. Il va falloir passer l'ouverture et il n'y aura qu'une seule chance pour passer. C'est-à-dire que le premier à passer ici, le premier à passer à travers la petite ouverture, va être celui qui va pas se faire bouffer par les zombies parce que les zombies vont tomber, vont arriver dans 5, 4 et tu es complètement... Je force dans ce cas-là, okay. Hein, simplement. Très bien. Vous voyez Igor qui te pousse Canigou et qui plonge dans le passage très étroit, grillagé et plein de morceaux de métal, hein, je vous avais dit qu'il s'était éventré. Donc il va falloir me faire, s'il te plaît, un test d'agilité avec un malus de 20 et avec l'état morbide. Allez. Très bien. Bon, aucun souci, je peux pas faire deux échecs critiques d'affilée. 88, c'est un échec critique. J'ai raté, évidemment. Avec l'état morbide. Un échec critique. Mais c'est à combien les... L'état morbide apporte un bonus au critique de 10. Donc c'est 86. 10.
10. 86. 86. Alors. Mais tu fais exprès. Alors, ce qui se passe, c'est que Igor, mais littéralement hystérique, il dit « Oh, ils vont rentrer, il faut absolument que je passe, il faut absolument non, que je... » Non, je parle pas comme ça. Excuse-moi, je t'en prie, vas-y, dis-le de manière extrêmement maîtrisée. C'est plutôt « ils vont rentrer... » Avec un accent russe. J'arrive pas à mon accent russe, on dirait un accent africain, quoi. Mais c'est brave, ils vont rentrer, là, c'est... Ah, écoute, de toute façon, c'est un russe, il est bourré, il fera un accent africain. Tout cru. Très bien. Alors, suite à cela... On dirait les méchants dans Tintin. Oui. Ils vont... Tintin. Ah, c'est le sceptre de Tokar. Ouais, c'est... Je préfère ça à la voix des méchants dans Ken le Survivant ou dans Nicky Larson. Perso, je trouve pas mal. Trompez-moi, Tintin. C'est ça, je parle un peu votre langue. Suite à cela, il passe par l'ouverture trop étroite, mais éventrée et faite de métal coupant. Et il est en train littéralement... de se déchirer les entrailles, de se déchirer, non, les flancs, quoi. Il passe, il force, et tu t'es ouvert les côtés, en fait. Tu es bien blessé, t'as fait un échec critique. Tu t'es ouvert littéralement pourquoi les flancs. Pourquoi ? Proposé de passer à travers. Oui, je sais. En fait, toi, tu arrives devant l'ouverture, il te pousse, le russe te pousse, et il fait « Laisse-moi entrer le kleps !» Moi, entre plus. Est-ce que quelqu'un a dit à Igor que... Est-ce que quelqu'un a dit à Igor pour suicider, c'est pas sur les non, côtés, c'est les veines, en fait. J'aurais dû le dire après, mais j'avais une capacité qui me permettait de relancer un jet d'agir raté. Ah là, c'est trop tard. Et tu es coincé dans l'ouverture, dans la seule ouverture de la porte. Tu vois, de là où tu es, ici, qu'il y a un genre de pied de biche, là, vu que t'es la moitié à l'intérieur. Du coup, tu vois bien ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, tu vois un pied de biche, tu es coincé avec des morceaux de métal qui te rentrent dans la chair. Et il y a de l'autre côté... tu sens peut-être, je sais pas, Canigou qui fait quelque chose. Est-ce que je peux le lécher comme ça? Tu me lèches le fion? Lécher le sang qui coule de ses plaies. Mordi, lui, bien. Le tibia, je sais pas. Et t'entends la voix de McGregor son portefeuille qui te dit, Igor, qui te dit, pourquoi? Je suis coincé comme les Allemands devant Moscou. Très bien, donc... C'est mon Stalingrad à moi. Qu'est-ce que vous faites, John et Antonio, vous avez mis la barricade, et la barricade peut tenir si il n'y a plus de vivants, d'êtres humains vivants, visibles par les zombies, parce qu'ils s'excitent quand même à la vue de proies, et en l'occurrence, il va falloir quitter cet endroit vite, et quand John et Antonio arrivent ici, eh bien vous voyez Igor coincé dans la petite ouverture d'achat, de la porte en train de pisser le sang. Tu commences à être de plus en plus blessé. Tu peux forcer si tu veux, au risque derrière de littéralement laisser une partie de toi. Ryu, est-ce que tu veux tenter une action? Bah si tu veux, oui, on peut. Est-ce que si on se croise les bras et qu'on fait tous les deux un double drop kick est-ce que pour essayer de le pousser ça ou de le couper en deux. Est-ce que c'est une attaque à la DBZ? Tu sais, où moi je fais le dropkick et toi tu mets le poing à la gueule. Il est possible que ça laisse passer. Enfin, il y a des petits morceaux qui restent sur le côté, tu sais. Le chien les mangera, écoute. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites? 5, 4, 3. Ou sinon, on essaye de tirer la grille de forcer. Ouais, on va ouvrir la grille, on va forcer tous les deux en fait. On va se mettre dessus et on va. Très bien, faites-moi un test de force. Attends, approche ton perso. Oui. Faites-moi, s'il vous plaît, test un de test force. De force. Est-ce que tu veux mettre des malus, des absolument. Choses avec un malus de 20%. Je vais demander un malus de 20% lui, 50. Sachant c'est une que... Une chance sur deux pour moi. Sachant que... Bien. Si vous réussissez tous les deux, ce sera absolument formidable. D'accord, très bien. On y va. His name is John C. 37. Oh, 7. La rime, ça critique. Et absolument. Attention, il faut. Grâce à l'état morbide. Je pose la question. D'accord. Il faut que je pose la question parce que je suis en état morbide, donc ça veut dire que le succès critique, il est pas à. Il est pas à 5, il est à 15. Mais à 15. Il est à 15. Et il y a le chien. Donc 25. N'oublions pas le chien. Le chien est à combien? 25. Le chien est à plus 10. Donc c'est 10. C'est plus 10. Oui. En 37, absolument. Donc ça passe un petit peu optimiste quand même. Absolument. Non, mais donc vous avez ouvert la porte, le grillage. Vous avez arraché le grillage. C'est ça? C'est ce que vous vouliez? Dites-moi. Oui. J'ai commencé à forcer sur le grillage. Puis t'as Ryu qui est arrivé derrière. Il a fait un espèce de mouvement.
D'accord. Vous arrachez le grillage. Il y a encore des morceaux de métal coincés dans le corps d'Igor. Tu pisses le sang, Igor. Va falloir trouver des moyens de te soigner parce que si tu trouves pas le moyen dans les dans le temps qui arrive, tu vas finir. T'as fait un. Je vais te demander un test de survie dans pas longtemps. Je te dis. Hein, d'accord, je te préviens. Donc, tu as le ventre qui est en j'ai sang. J'étais ravi de vous rencontrer. Donc, non, mais moi, je me suis dit au début, mettre des zombies en surnombre, ça peut être un truc pour vous mettre à mal. Mais en fait, il fallait que je mette des portes. Ma réussite critique a peut-être permis d'éviter qu'il ait justement plus de trucs arrachés, tout ça. Oui, absolument. Ouais, vous avez réussi, vous passez ici. Kanigou, t'as un mauvais pressentiment. T'as un mauvais pressentiment. Juste là, par là. Ici, il y a quelque chose. Qui ouvre la marche ? 5. 4. Igor. Bah, je vais essayer la avec son tutu en métal. Mais j'aimerais bien renifler le corps. Le corps est-ce qui que je, les marches. Est-ce là. Que je devrais pas faire un test de stress, peut-être une connerie comme ça avec. Ok, alors le test de stress, je vais dire ça. La réussite du test de stress va indiquer le temps que tu vas tenir avant de faire ton test de survie. D'accord. Ok. Vas-y. Sachant que si tu fais. 24, bon ça va. Bah, c'est un succès. Ouais, j'allais dire, je vais finir ma phrase quand même par fair play. J'allais dire que si tu réussissais, si tu faisais une réussite critique, je retirais ton état morbide, ce qui t'empêchait pas de derrière de faire un test survie dans ce qui va venir. Mais la réussite critique te donne un coup d'adrénaline en fait. Ok. C'est ça. Le russe. Ouais, tu as du sang partout. Situation critique. À la Kylo Ren, il s'est mis un bon point morbide comme ça. À Antonio qui lui a fait sa réussite critique sur le visage. Voilà. Donc, Kanigou. C'est dans une situation critique que le russe s'épanouit vraiment. Je suis plus le fou quand je saigne. Il se met torse nu. Vous arrivez par là, messieurs. Vous arrivez ici. Kanigou, quand j'aimerais partir en avant marche, et sniffer le cadavre et utiliser ma compétence passive qui permet de détecter les menaces. Alors, justement. C'est pas la compétence passive justement qui te permet de manger le cadavre. Attendez avant de faire avancer tout le monde avec. Absolument. Avec John Cena. Ouais, parce que là, Igor, il est chaud. Il s'est mis à faire ça. On va passer en dernier, nous. Tu vois, quand tu arrives, tu as en effet une petite alerte, hein, un spider sense de chien. Mon sens d'araignée de chien me dit que. Mais sur le pop-up, c'est marqué ouf. C'est et tu vois les jambes de la personne qui est ici, la personne, le cadavre qui est ici, les jambes qui bougent. Manquantes. C'est un cadavre, mais ses jambes bougent. Et t'entends un grognement à ton approche. La première chose donc que tu vois à ce moment-là, c'est une bête féroce, un chien errant qui se repaît des jambes encore fraîches, plus ou moins fraîches, de ce cadavre. Il se retourne vers toi, combat il se met à chien grogner. Combat ouais chien. Allez, et là, je billets, me fais des peintures. Là, c'est moi. It's my time. Et il se met à grogner et il te voit comme un danger réel devant sa nourriture. On ne prend pas la nourriture à un chien affamé. Qu'est-ce est-ce qu'il y a un signe distinctif, quelque chose qui le trahirait, par exemple, est-ce qu'il aurait des pupilles un peu cheloues, ou alors il y a, enfin, ouais, il a pris ça a l'air d'être un coke, chien juste énervé. Oui. De toute façon, t'es un chien, tu peux pas savoir si le mec est un zombie ou pas. Hein. Ah, je sais pas, j'ai mon spider sens de chien. On m'a dit. Ah, c'est acté en fait, maintenant. Tu c'est pourrais, Seb, tu pourrais avoir toutes ces informations, mais il faudrait que tu lui sniffes le cul. Oui. C'est compliqué. Ouais, en non, roleplay. Là, c'est tout l'instinct de chien qui remonte. Et ouais, je vais me mettre en posture d'attaque parce que très bien. Ok. Parce que en effet, tu es littéralement en mode instinct. Tu bondis dessus. Fais-moi un jet de combat, s'il te plaît. Voilà, la collée contre Rottweiler. Allez. Allez, on y croit. Alors, 75. Hop, 20. Réussite. Est-ce que je peux, oui, je bénéficie de mon... Oh my gosh. Mon aura ou pas? Attends, il y a l'état morbide. Ouais. C'est pas une réussite critique. Il n'a pas d'état morbide. Non, non, puis, non, puis, en plus, non, puis en plus de ça, ta réussite critique n'est pas en bonus pour toi. Oui, voilà, donc, c'est ce que je dis. Ouais. Tu bondis dans la mêlée, vous commencez à vous mordre, et tu le saisis au cou, il te donne un coup de patte, vous êtes en plein milieu dans la mêlée, sur le cadavre. Igor, toi, tu arrives avec le sang sur le flanc, vous entendez tambouriner sur la vitre dans le hall, et si vous restez encore longtemps, parce qu'en plus, il se met à aboyer, Kanigou, et l'autre aussi, ça fait d'autant plus de bruit, ce qui excite les zombies à l'extérieur, qui vont redoubler de violence pour traverser l'obstacle qui était mis par John. Est-ce que éventuellement, si je sors mon arme, est-ce que je peux essayer d'abattre le chien en visant bien? Mais pour lequel? Le bon. On se connaît pas trop, Igor. Hein, on vient de se rencontrer. Donc non, mais c'est pour, par contre, si j'ai la moindre chance, tu viens de t'empaler dans un grillage. Donc voilà.
Si j'ai une chance de toucher Canigou, je le fais pas. Mais si j'ai un clear shot, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, t'as une chance de toucher Canigou, mais t'as encore plus de chances de toucher son ennemi. Mais genre, c'est quoi la chance? C'est un truc un peu volatile à notre époque. Donc, est-ce que j'essaye de t'aider? Non, demande pas. Ça a bien marché. Non. N'êtes pas les gens du groupe. Jamais. Igor qui demande. 5, 4, 3. Allez. Il est armé de quoi, Igor? J'ai un Makarov, j'ai un pistolet. Allez. Parce que si c'est un fusil à pompe, on est mort. Moi j'attaque. C'est pas un fusil à pompe. Ok, vous avez pas décidé, moi j'attaque. Hop. Alors, j'ai 75% de chance avec un bonus d'affamé qui me fait monter la réussite critique à 15. 50. Donc il te mord, il te blesse, vous vous blessez tous les deux. C'est-à-dire que quand tu arrives, Igor, t'es là, oh, je sais pas, tu hésites trop, du coup les deux se mordent, Canigou est blessé, du coup en l'occurrence. Bah, je tire. Ok, très bien. Les deux autres, ils ont pas d'armes, de toute façon. Maillard, ouais. c'est un macaron. Antonio voulait faire un truc. Antonio, oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Une fois qu'on a aidé tout le monde à passer. On passe en dernier avec John et on va essayer de retirer le grillage pour empêcher les zombies de passer au maximum. De remettre le grillage. Mettre la poubelle devant. Oui, tu vois. Tu vois en effet qu'il y a des éléments, des obstacles, plein de détritus. Bref, du matériel que tu peux essayer d'utiliser comme dans le hall. Parfaitement. Tu peux me faire, s'il te plaît, un test d'intelligence. Je vais faire la même action. De force, celui que tu préfères pour faire sans malus, mais avec toujours l'état morbide. Vas-y. Ah. 12. Parfait. Bah, c'est critique. C'est une porte blindée maintenant. Absolument. Est-ce que je peux tu mets ta petite griffe à la fin. Antonio, et cumuler en fait, si on arrive à faire un succès Vas-y. Un succès. Par contre, si tu fais un échec critique, tu annules sa réussite critique. Vas-y. Bon, je l'aide quand même, allons-y hein. Ah oui. Sina 5 vanille. Putain, mais oublie une entreprise ensemble, c'est pas possible. C'est ça. Là, en fait, subitement, le grillage se transforme en mur de oh là là. Il y a des chaises qui apparaissent comme ça au pif comme au cap. Et en plus, on s'est fait une armure avec les restes. C'est vrai. Vous êtes en train de littéralement obstruer ce passage. Vous entendez en effet que ça tabasse et que ça explose dans le hall avec votre empressement à mettre du matériel et avec le combat de chien et avec également le tir qui va pas tarder à être déclenché par Igor. Et du coup, pendant ce temps-là, vous dites clairement que ce que vous avez fait là va vous sauver la mise. C'est du beau travail. C'est du beau travail. Oui, c'est. Par contre, ça me fait penser dans les jeux vidéo où t'as deux personnages qui ont une affinité, ils arrêtent pas de faire des trucs ensemble. C'est ça, ça marche trop bien. Par contre, je tiens à dire que dans les matériels, enfin les matériaux qu'on a utilisés pour construire ça, j'ai utilisé la femme enceinte à un moment. Non, toujours pas, Bob. Toujours pas. Bon, allez, moi je tire. Allez, vas-y. Alors, tu as un malus de 20% qui est un mélange de ta blessure et. L'alcool. Non. Et du fait que ça bouge beaucoup. Voilà, il est revenu direct. Ça va bien bravo. Se passer. Ah, ça va, ça brûle une fois. Okay. Oh. C'est pas une réussite critique parce que t'es pas d'état morbide. T'as plus l'état tu tires morbide. Dans plus le flanc, tu profites d'une ouverture, tu tires sur le pauvre chien qui n'avait rien demandé à personne et qui était en train de se nourrir parce qu'il était affamé et que c'est l'apocalypse et que le pauvre toutou était là tout seul, abandonné par ses maîtres qui sont probablement morts à bon, cette heure-ci. Et de l'argent à son orphelinat, voilà, à son chenil. Parfait. Ça va bien se passer. Et donc tu le blesses, tu ne le tues pas, tu le blesses très gravement et il tombe, il pousse un petit jappement et toi, Canigou, tu vois ton ennemi de toujours qui tombe sur le côté, qui lâche prise sur toi avec ses yeux qui deviennent tout ronds et tout noirs et qui te laisse passer. Et donc là, je reste tout stoïque, je voulais avoir la domination, j'ai la domination, voilà. Mais tu l'as déjà dans le groupe. Il se parle mais avec les sous-titres, t'as Kenny Google, genre je t'ai vaincu, maintenant l'autre, fais-moi une faveur, qu'y a-t-il? Sniff-moi le cul, tu sais, avec des ouf comme ça. Entraîne-toi et rendez-vous dans un an. On se rencontrera. Et vous ouvrez le passage. J'imagine, Igor, que toi, après avoir tiré, tu vérifies qu'il ne bondit pas de nouveau. Non, mais de toute façon, s'il s'est pris une balle. Il mâchouille le reste du corps comme ça. Tu vérifies que le corps aussi, c'est pas un zombie, quoi, d'un seul coup, qui se mette pas à bouger. Ou je sais pas quoi. Tu vérifies ça comment? En marchant loin de lui. En faisant un tatsumaki. En vérité,
La logique voudrait que si le chien ça a commencé à le manger, le zombie aurait essayé de le manger lui aussi, tu vois, il y aurait pas eu, oui. Y aurait eu un mix-up. Donc, du coup, vous passez à côté, pareil, Dom et Nathaniel et McGregor passent en crabe sur le côté, en comprenant pas trop ce qui se passe. Igor, le sang quitte ton corps petit à petit et vous vous retrouvez un peu plus loin dans les méandres de ce bâtiment. Essayez de trouver la sortie, ou plutôt l'accès qui donne aux égouts, qui est le point de retraite, indiqué par McGregor. Après avoir erré quelque peu sous le bâtiment, vous vous retrouvez dans un espace un peu intermédiaire. McGregor indique qu'il va falloir tourner à droite, mais il sent pas trop cet endroit. Généralement, il y a toujours un peu d'activité. Là, il y a un silence de mort, pour ainsi dire, et Canigou confirme cette inquiétude avec son oreille droite qui se soulève, et son oreille droite qui se soulève, c'est probablement annonciateur de malheur. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez ici? Ou de la pluie. De la pluie, on laisse partir. On laisse. Moi, je propose qu'on laisse passer le chien d'abord pour qu'il ne se fasse bouffer avant, enfin, pour qu'il nous indique les dangers, je veux dire. Très bien. Vous voyez ici, c'est un endroit un peu intermédiaire, donc avec de la lumière quelque peu tamisée. Il y a un bruit d'inondation douce, probablement un tuyau qui a pété ici, à votre droite. Et l'eau est un peu croupie, hein, c'est un peu moisi ici et là. Ça a tenté d'être aménagé comme endroit. Vous voyez qu'il y a un lit là, un autre lit. Il y a des corps qui sont morts ici. Ça a servi pendant un moment de retraite ici, mais ils ont dû aller encore plus loin parce que les zombies avaient accès à cet endroit. Et pour autant, c'est pas vraiment maîtrisé comme endroit. Il y a probablement encore un peu danger, mais Canigou flaire quelque chose un peu plus tapis. Qu'est-ce que tu fais, Canigou? Tu vas où? Eh ben, je m'avance dans la pièce et puis je sniffe un peu à droite à gauche et essayer de détecter une source de danger. L'odeur est très forte, et une odeur de pourriture et une odeur bestiale, vraiment très présente. D'accord, bah si c'est aussi fort que ça, je pense que les autres vont le détecter aussi. Mais est-ce que je peux me rapprocher de la source? Parce qu'au bout d'un moment, l'odeur doit s'intensifier, donc okay. Est-ce que je peux? Absolument. Et puis en plus de ça, comme tes sens sont exacerbés, tu vas entendre des choses que les autres ne vont pas entendre. Donc s'il vous plaît, les autres, retirez vos casques. Tu entends des petits couinements, en fait. Tu entends des petits bruits de rongeurs. Plein. Ça arrive dans 5, 4, 3, 2. Qu'est-ce que tu fais? Je vais aboyer d'un coup, comme ça. D'accord. En mode, attention, c'est danger. Donc oreille droite, aboiement. D'accord. C'est tout. Gauche à 45 degrés, parfait, remettez le casque. Hop. C'est ça. Il se met littéralement à aboyer comme un diable. Je prépare mon flingue. Ok. À ce moment-là, vous entendez un grondement, et plus que ça, vous entendez des bruits de pattes, de toutes petites pattes, plein de petites pattes, et des bruits de rongeurs. Plein de rongeurs qui viennent et qui surgissent comme s'ils ne trouvaient pas d'issue ailleurs. Hop. Il y en a plein et ils foncent vers vous. Quasiment de la taille du chien, quoi. Ils sont dans les murs. Bienvenue, j'avoue, c'est des ragondins là, exactement. Ils sont agglomérés en plus, ils vont former un méca drap. Ils foncent vers vous. Canigou, tu es le premier exposé, il va falloir me faire un test de fuite. Parce qu'ils foncent littéralement sur toi. Et okay. Ils vont probablement mordre, griffer tout ce qui est sur le passage. Fais-moi... Ok, test d'agilité. Oui, s'il te plaît, avec un malus de 10, pas de 20, parce que, en effet, tu avais pressenti leur présence. D'accord, alors pour 65, zut, ça passe, 39. Ok, tu retournes, tu vas à l'arrière, tu fonces, et les rats foncent. Alors, qu'est-ce que vous faites les autres? Coucou, regardez ce que j'ai ramené, wouh. Je vais monter sur le... Sur le premier truc à porter, que ce soit ça ici ou la table qui est là. Sauter sur le lit, on saute tous sur le lit. Sauter sur le lit. Moi j'ai malheureusement une capacité qui me permet d'attaquer mes trois ennemis en même temps, mais pas plus. Tu vois, là, il y en a beaucoup. Ok, je fais des tests. Je pense pas que j'arriverai à tous les dropkick. Je fais test pour Dom. Hop. La femme enceinte fait un 1. Une réussite critique. Et au moment où Kenigo arrive avec la langue pendante, en fait, ouh. À ce moment-là, vous retournez tous. C'est un triple salto. Et en fait, elle est là. Elle a juste... Vous la retrouvez comme ça. Petit son de téléportation. Donc, la téléportation pour se mettre à hurler en mode années 50. Maintenant pour Nathaniel. C'est passé trop rapide.
Ah, c'est pas la même. Non, 98 pour Nathanaël. Tout, ouais. Oh, c'est Nathanaël se téléporte dans les rats. Tombe au milieu ici. Et McGregor, lui, passe. Hop, hop, hop. Il bondit. Il se retrouve mais difficilement. Et tout ça se passe en donc même temps. C'est-à-dire qu'il a minimum 80 en agi, le Billy. Absolument. John, Antonio, vous voyez votre comparse tomber au sol comme une crêpe, littéralement se vautrer. Qu'est-ce que vous faites pour tenter quelque chose, si vous voulez tenter quelque chose? Les rats. Oui, Antonio, tu t'en charges, m'en charge, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est toi qui es le plus fort, donc je te vois bien prendre Nathanaël sur l'épaule, ben, comme ça. Avec l'accent. On va faire c'est ça. C'est toi qui es plus je fort. Je chope Nathanaël et comme ça commence à manquer de place sous le lit, je vais rusher en espérant pouvoir monter comme si c'était la troisième corde, pas forcément monter dessus, mais ne serait-ce que de me tenir, parce que ne serait-ce que de plus avoir les pieds sur le sol. En après, fait. On peut peut-être faire une action combinée, je sais pas si c'est possible. Mais 5. Ouais, mais si on prend Nathanaël pour faire un Kamehameha, ça va être compliqué. 4. 3. Je vais le faire. Ouais, Qu'est-ce que je fais avec toi de toute façon? Je vais monter sur les. Bah, je vais avec lui pour l'aider si jamais. Montre-moi avec les flèches. Sur les caisses. Et bah, pareil, par là. Même endroit. Oui, oui. Voilà. D'accord. Okay. On prend chacun une caisse, quoi. Très bien. Alors, oui, toi, tu vas faire un test normal. Antonio, par contre, John, tu vas faire un malus. Agilité. Hein. Absolument. Agilité. Tu vas faire un test d'agilité, John, de 30, parce que la fin d'échec critique et parce qu'en plus de ça, tu essayes de foncer dans un endroit qui n'est pas prévu pour. Quoi. 19. Très bien, très bien. Ah bah, réussite critique. Waouh. Absolument. Wow. Est-ce que ma réussite critique peut aider Non, parce qu'il aurait fallu d'accord. En amont prévenir. C'est que toi, tu es complètement safe, tu peux faire une action supplémentaire. Éventuellement, a posteriori, tu peux éventuellement tenter je lui tends la main. De l'aider, mais après. Voilà. Est-ce que tu as confiance en moi? 40 ou moins. And his name is John Cena. 31. Et tu la récupères sous le bras, tu bondis. Et par déformation professionnelle, tu la jettes. Je la pose sur la table, je la jette en fait. Je la jette en power bomb. Par déformation professionnelle, elle prend un dégât. Très bien. Et les rats sortent. Les rats sortent de cet endroit. Et donc, vous vous retrouvez par ici, donc safe. Ça ne va pas durer longtemps. Les rats vont essayer de monter, mais ils vont se retrouver coincés probablement par la porte blindée qui a été montée juste avant. Et ils vont manger le chien. Oh là là, c'est vous vrai. Faites quoi? Vous restez ici, vous fouillez un peu les lieux, vous partez vers l'endroit indiqué par McGregor. C'est ici qu'il l'indique. Je passe, je vais par là et en même temps, sur le chemin, je regarde ce qu'il y a. C'est-à-dire, très bien. Alors, tu vois que ces étagères sont littéralement dépouillées. Quoi. Il y avait des fioles, c'est renversé, il y avait du matériel de soie. C'était une ancienne pharmacie ici, de secours, et c'était complètement dépouillé. Peut-être qu'il doit y en avoir du matériel supplémentaire en sus quelque part, mais il faut rester pour fouiller. Les rats vont monter, les rats vont voir quand ça va être bloqué, les rats vont s'occuper de ton meilleur ami, Kanegu, que tu as abandonné comme un salaud. Ainsi que logiquement, du cadavre aussi du cadavre. C'est aussi la du cadavre. De la survie. Est-ce que normalement, vu que j'avais une action supplémentaire, est-ce que je pourrais l'utiliser pour faire un test de perception pour voir justement s'il y a quelque chose d'intéressant? Ouais, notamment quelque chose pour me soigner. D'accord. Intéressant. Vas-y, fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ok, merci. Vas-y. 57. C'est pour 55. Dommage. D'accord, non, tu vois, c'est trop confus. Par contre, en effet, tu vois que les rats ne sont pas passés par là pour la simple bonne raison que là, c'est littéralement obstrué. C'est-à-dire qu'il y a un meuble qui a été mis, il y a des obstacles qui ont été mis supplémentaires, donc ça ne passe pas par le bas, ça passe pas par le haut parce que ce ne sont pas des ninjas, ce sont des rats. Donc, du coup, je vais au moins aussi fouiller au passage. D'accord. Est-ce que j'ai été un chien policier ou pas? Est-ce que je peux sniffer les opiacés ou les dérivés de morphine? Il y en a beaucoup sur Igor. Je demande au cas où, hein. Mais... Donc, alors. À ce compte-là, une question, c'est obstrué ici, on peut pas passer? Ouais, toi tu peux pas passer, tu peux pas. Il va falloir que quelqu'un fasse. Je sniffe s'il y a moyen de trouver Igor, quelque chose à gratter, facilement, et de trouver un chemin. Je te préviens un truc. C'est soit tu progresses et tu continues, tu utilises les efforts que tu as, l'adrénaline qui est encore présente pour passer outre cet obstacle, parce qu'il va falloir un peu l'escalader. Et à ce moment-là, je ne demande pas de test, tu réussis malgré le sang qui sort de ton corps. Oui, mais je veux dire, le sang, j'en ai pas. À l'infini. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Quoi. Je suis d'accord. Mais soit tu utilises encore tes forces qui sont encore présentes pour progresser, soit tu les utilises ici pour fouiller, sachant que si tu utilises ici pour fouiller, je vais te demander dans cette pièce de faire ton test de survie. Bah, de toute façon, si je le fais pas dans cette pièce, il faudrait que je le fasse dans le suivant. Et dans le suivant, il y aura peut-être plus d'objets. Je vais quand même fouiller pour voir si je trouve de quoi me soigner, quoi. Vas-y. Poigne.
Donc perception. Vas-y, avec un malus de 10. Aïe. Allez. 4. Combien? Oh. 4. Tu... Et en fait, ouais, du coin boite de l'œil, tu perçois une bouteille de vodka sur la table là-bas. Tu boites, tu t'accroches, tu laisses des traces de sang partout sur la caisse, partout où tu passes, un peu, tu sais, les traces avec tes mains. Tu arrives, tu passes par-dessus, ici. Tu vois le comptoir, tu mets ta main, tu sais pas trop ce que tu tâtes. Et tu sors une, littéralement, comme par magie, une... Un medikit. Trousse de soins. C'est ça. Qui était en dessous. Et genre, un gros medikit. Ah ben, en plus, c'est ça, tu vois. Oui, oui, c'est exactement ça. Mais genre, vraiment, tu... À l'instinct, quoi, tu te vidais de ton sang et tu mets ça et tu tombes. Mais qui va savoir s'en sol. Bah, William. Commence à le dévorer. Est-ce qu'il me reste assez de force pour me soigner ou est-ce qu'il va falloir qu'un des abrutis me soigne? Ah, tu as trouvé, tu as fait une action, hein, tu as cherché, tu as fait une action. Ce qu'on va pouvoir faire, mais c'est qu'il y a un désinfectant, on va le mettre et mettre de la bande, mais à part ça, on va pas savoir soigner. Hein. Vous entendez à ce moment-là des jappements dans les escaliers en haut. Le chien est en train littéralement de se faire attaquer par la horde de rats. Et vous arrivez là, Nathanaël, elle qui a été sauvée par John, elle dit écoutez, j'ai des connaissances en médecine, il faut faire quelque chose, je peux faire quelque chose. Je peux faire quelque chose. Attends, dans ce cas-là, elle se déplace pas. Je la prends sous le bras et je fais très bien, puis je l'amène en fait. D'accord. Tu sors ton équipement, tu la sors de ton équipement et tu le. Très bien. Parfait. Donc je vais faire un test à. Bonne réussite. Mais du coup, si tu réussis, tu annules mon test de survie ou pas? Je te donne un bonus de test de survie. Ah. Parce que tu es quand même blessé. Ok. Un échec critique en essayant de passer. Donc, 49, ça passe. Donc, fais-moi, s'il te plaît, un test de survie à 90. 90 oh, ça va aller. Oui. C'est bon, 80. 80, limite. Limite. Donc, du coup, elle pense la plaie, elle arrête le saignement. Et là, vous attendez de la dégringolade de rats qui sont en train de se propager vu le temps que vous avez pris les quelques minutes. Et il ne faut pas traîner. Vous commencez à enjamber cet obstacle, à aider Canigou pour vous retrouver de l'autre côté.